à tous et toutes. Donc on se retrouve aujourd'hui dans la bibliothèque des Champs Libres à l'occasion du festival Nos Futurs qui bat son plein depuis mercredi. On revient avec Alexis de la conférence autour des violences sexistes et sexuelles. Nous avons pu écouter Isabelle Steyer, avocate, Elisabeth Lucé, chargée de recherche au CNRS en histoire, et Rada Atem et Mathieu Palin qui se trouvent avec nous aujourd'hui dans notre studio à la suite de cette conférence. Donc Rada Atem, vous êtes gynécologue et également fondatrice de la Maison des femmes à Saint-Denis. Et Mathieu Palin, vous êtes journaliste et vous venez de sortir un livre qui s'appelle « Nos pères, nos frères, nos amis dans la tête des hommes violents ». Donc voilà, merci d'être avec nous aujourd'hui. Par rapport à la conférence, voilà, comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez vécu cet échange? Rada, je vous laisse commencer. Je crois que ça s'est très bien passé. Oui. On a réussi à ne pas être violent. Oui, on s'est écouté. On s'est respecté. Non, il y avait du monde. Il y avait des échanges. Je crois que ça se complétait bien. On était quand même plus ou moins tous d'accord. Mais je pense que c'était. Mais avec des regards très croisés sur le sujet. C'était très bien. Le public avait l'air, en tout cas, très participatif et intéressé. On peut vous considérer comme deux personnes engagées. D'où vient votre engagement et qu'est-ce qui vous anime, Rada? Mon engagement vient pour partie de mon métier, puisque mon métier est de soigner les femmes. Et peut-être pour partie de mes origines. Moi, je viens du Liban, j'ai trois frères. Et c'est une très bonne école pour comprendre que les sexes ne sont pas éduqués de la même façon, qu'on ne leur donne pas les mêmes opportunités, qu'on ne leur donne pas la même place, et que si on veut que ça change, il faut un peu se battre. Mathieu ? Moi, je suis journaliste. Donc le journalisme, moi, je le pratique en allant sur le terrain, donc en faisant du reportage. Et ça m'amène nécessairement à rencontrer des gens qui se livrent, qui racontent souvent le pire de ce qui leur est arrivé dans leur vie. Et cette question des violences faites aux femmes, elle intervient aussi parce qu'elle se répercute forcément avec ma propre vie d'homme qui commence à se poser des questions et qui se demande comment lui, il s'est construit, selon quel modèle. Et moi, j'ai deux petites sœurs. Donc j'ai vu aussi, peut-être en étant de l'autre côté, comment, en pensant que j'avais été un mec bien, un mec parfait, un mec qui a rien à se reprocher, j'avais aussi exercé de la domination sur des femmes de mon entourage. Et donc cette première réflexion m'a amené aussi à aller sur le terrain, à poser des questions. Rada Atem, la maison des femmes à laquelle vous êtes à la tête reçoit des femmes donc victimes de violences et leur propose un parcours de soins et d'accompagnement très complet. Qui les met en lien avec des professionnels de santé, mais aussi du social, des policiers, des juristes, des bénévoles qui animent des groupes de parole et des ateliers, etc. Y a-t-il des aspects de la prise en charge de ces femmes qui peuvent être plus complexes que d'autres ou plus difficiles? Je pense que toutes les dimensions de la prise en charge sont difficiles parce que les soignants, par exemple, qui sont au contact quotidien des femmes et des récits de violence, peuvent être aussi affectés eux-mêmes par cette violence et par moments être dans une espèce d'excès émotionnel. Et donc il faut accompagner les soignants. Et puis il y a plein de situations où on est assez démunis. Une plainte a été déposée, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. C'est très compliqué de courir après les commissariats pour savoir où ça en est. Les procès durent interviennent dans un laps de temps très très long pendant lequel on a mille fois le temps de désespérer. Les procédures sont parfois interrompues faute de preuves, ce qui est très difficile pour la victime de l'accepter. Faute de preuves, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, mais ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir prononcer la justice avec tous les éléments nécessaires. Et donc, pour la victime, c'est une violence. Et puis, tous les problèmes qu'on connaît, pas d'hébergement, pas de structure pour accueillir les enfants, pas de possibilité d'un suivi psychologique en ville, ou alors à des prix exorbitants. Tout ça, ce sont des freins, en fait, à la prise en charge. Et vous, Mathieu Palin, donc vous êtes dans une démarche journalistique davantage d'observateur. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de votre enquête? Je pense par exemple à votre place dans les groupes de parole dans lesquels vous avez été.
Les journalistes n'ont pas très bonne presse et les gens n'ont pas vraiment confiance en nous. Je pense qu'on est la profession qui est la plus décriée après celle d'hommes et de femmes politiques. Donc quand on arrive quelque part et en disant bon, bah, vous ne me connaissez pas mais je vais enregistrer tout ce que vous allez dire, il y a forcément un mouvement de, si ce n'est du rejet, en tout cas une interrogation. Et je ne dis pas qu'il faut montrer patte blanche, mais il faut en tout cas prouver que ce qu'on dit est suivi des faits. Et donc moi, ce que je disais, c'était je viens pas là pour 2 heures vous faire vite fait 3 interviews et puis balancer ça aux 20 heures. Je viens parce que j'essaye de comprendre. Je connais rien au sujet. Je suis vraiment débutant. Mais je vais revenir la semaine prochaine et celle d'après et celle d'après. Et au fil des semaines, au fil des mois, cette confiance qu'on peut pas exiger d'emblée, elle se met en place. Et donc j'ai finalement pas été trop confronté à ce genre de difficultés. Juste la première fois quand je suis arrivé dans le premier groupe, c'était à Lyon. J'avais pas d'enregistreur, je suis venu les mains vides et j'ai expliqué un peu le concept. Il y en a un qui m'a dit mais est-ce que c'est la juge qui t'envoie? Je dis non, moi la juge je la connais pas, moi je suis journaliste. Mais est-ce que ça va être diffusé, tout ce que je dis là ça va être diffusé? Je dis non, mais c'est pas du direct, c'est après je ferai le montage. Il m'a dit ben moi je veux pas apparaître dans ton truc. Et en fait il a disparu, il est plus revenu. Et ça a été la seule difficulté, je pourrais dire, pour au niveau du travail. Après ça a été plutôt bien compris comme démarche. Ouais, c'est ça. Désolé. C'est une question difficile parce que c'est compliqué d'avoir du recul sur la situation. Mais comment vous évaluez aujourd'hui dans vos domaines, dans vos démarches, dans vos observations respectives aussi, la situation des violences faites aux femmes? Constatez-vous plus ou moins de victimes ou alors plus ou moins d'hommes violents? Enfin, comment évolue la situation en fait? Est-ce qu'on est toujours est-ce qu'il y a toujours autant de femmes qui se font violenter ou est-ce qu'on voit une diminution quand même? Alors, on ne voit pas une diminution, on voit une augmentation. Mais je pense que c'est un effet, il y a un biais. Le biais, c'est que justement, il y a des lieux maintenant de prise en charge. Il y a la société s'est un peu débouché les oreilles, donc les victimes pensent que c'est peut-être plus facile de parler. Je ne suis pas certaine qu'il y ait plus de femmes victimes de violences, mais il y a beaucoup plus de témoignages, beaucoup plus de demandes d'aide et beaucoup plus de recours à des structures comme la nôtre et peut-être même à la justice. Et comme dit Mathieu, derrière chaque femme violentée, il y a un homme violent. Qu'est-ce que tu dirais des chiffres? Pendant, on a eu une évolution de la norme en fait. Pendant des siècles, l'État a considéré que les questions qui avaient trait à la famille n'étaient pas de son ressort. Donc l'inceste et les violences conjugales, il ne mettait pas son nez dedans. Mais par contre, si votre pommier il passait du côté du voisin, là, il pouvait rentrer en question. La justice pouvait venir mettre son nez parce que c'était une question qui pouvait être tranchée. On vient de là et c'est pas il y a très longtemps, c'était il y a quelques dizaines d'années. Et donc aujourd'hui, il y a une libération de la parole qui est liée au mouvement MeToo. Il y a aussi le fait que l'État, même si c'est il y a une force d'inertie, c'est lent, ça prend du temps, commence à se dire en fait frapper sa femme c'est peut-être pas hyper cool, il va peut-être falloir qu'on rentre qu'on mette notre nez là-dedans et qu'on juge ces hommes. Donc il y a de plus en plus de plaintes qui sont déposées, mais quand on regarde les chiffres on voit que parfois c'est des femmes qui juste s'autorisent aujourd'hui à porter plainte pour des faits qui datent d'il y a 5 ans, d'il y a 6 ans, d'il y a 9 ans, qui essayent de porter plainte avant la prescription aussi, ou parfois qui portent plainte alors en sachant très bien que les faits sont prescrits. Donc on voit aussi qu'il y a une sorte de rattrapage d'un certain nombre de choses, mais les chiffres malgré tout sont têtus et on sait que 80% des victimes ne portent pas plainte parce qu'il y a la honte aussi sociale, c'est difficile de porter plainte. On ne sait pas ce que ça va entraîner, on a souvent peur que ça entraîne une séparation avec les enfants, que ça entraîne la prison. Et parfois, on est victime de violence, mais on n'a malgré tout pas envie que son mec
aille en prison. Et ça peut paraître compliqué à intellectualiser, mais on aimerait que la victime porte plainte tout de suite et qu'elle se retourne jamais sur son agresseur. Mais il y a un phénomène de va-et-vient qui fait qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui retournent chez l'homme violent, auprès de l'homme violent. Donc les chiffres sont, on sait qu'ils existent, mais ils sont pas fiables. Parce que il y a, j'ai pas envie de prendre cette image de l'iceberg, mais on sait que ce qu'on voit n'est absolument pas représentatif de la masse des violences. Et donc vous avez fait le choix tous les deux de venir aujourd'hui au festival Nos Futurs à Rennes, donc qui est un festival qui s'adresse surtout à la jeunesse. Pensez-vous donc qu'il est nécessaire de davantage s'adresser à la jeunesse autour des questions des violences faites aux femmes et commises par des hommes, Gada? Alors, si j'ai bien compris, c'est un festival qui est conçu par des jeunes, mais qui ne s'adresse pas exclusivement aux jeunes. Et oui, je pense qu'il est absolument important de parler à tout le monde, mais notamment aux jeunes, parce que c'est chez eux que va peut-être se résoudre le sujet, si leur manière de penser, si leur éducation, si leur repère, si leur modèle change. Nous espérons qu'ils changeront et que, comme ils sont une partie du problème quand même, ce changement sera bénéfique pour la question des violences et pour les femmes qui les subissent. Mathieu ? Pas mieux. Trop facile, non. Mathieu, non, t'exagères. Non, tout est dit. Non, mais c'est, en fait, il y a une conclusion dans mon livre dans laquelle j'évoque justement la nouvelle génération. Et il se trouve que j'ai une fille qui n'a pas encore 2 ans, que je vois grandir un peu au jour le jour, et notamment à la crèche. Et je vois bien que, en fait, ça se joue quasiment dès cet âge-là. Les stéréotypes, l'éducation genrée ou pas. Ça se joue dans l'utérus. Oui. Et donc l'espoir, forcément, il est là. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser se débrouiller et espérer qu'ils tournent du bon côté. Ça veut dire que c'est à nous, tous, de se sentir concernés et de faire que les choses changent. Est-ce que vous pensez que particulièrement les jeunes garçons devraient s'emparer davantage de ces questions, en particulier Mathieu Palin, une question plus spécifique, on se demandait si en tant qu'homme... Non, c'est quoi? Ah, désolé. Bah, bien sûr, c'est la suite logique de la réponse précédente, c'est que si... en fait, la question des violences, c'est aussi une question de domination et donc de rapport homme-femme qui n'est pas normal sur la question de l'égalité. Si le but, c'est qu'on soit égaux et qu'il n'y ait plus de différence, plus de rapport de domination, bah, ça veut dire que ça nécessairement implique des changements dans les comportements des hommes. Et les petits garçons d'aujourd'hui seront les hommes de demain. Donc il faut bien entendu qu'on change dans la fabrique des petits garçons, mais pour espérer qu'on n'ait pas une répétition des schémas violents chez les hommes dans les prochaines années. Ça commence aussi par l'éducation que va donner les parents. Donc, Bah, pas seulement. Oui, pas seulement. En fait, les parents, bien sûr, c'est très important. Le cercle de la famille, c'est là où on apprend beaucoup de choses et où on est exposé aussi à beaucoup de choses, et notamment la violence. Mais là, on parle d'un système. Et dans le système, il y a l'école, il y a la culture. Aussi, tous ces endroits où on puise nos inspirations, nos influences, et c'est auprès de un peu tous ces facteurs-là qu'on se construit. Donc, c'est un peu partout qu'il faut que les choses changent. Je peux poser la question. Du coup, une question plus spécifique. Si en tant qu'homme, lorsque vous vous trouvez face à un public masculin, est-ce que vous pouviez sentir qu'on vous donnait plus d'écoute, plus de crédit, en fait, que lorsque des femmes s'adressent à eux, en fait? Je pourrais pas vraiment répondre à cette question, parce qu'il faudrait que je sois aussi une femme et que je puisse faire la comparaison. Je sais qu'il y avait de l'empathie, et ça, c'est quelque chose peut-être qu'il faut souligner quand on est sur le terrain avec des êtres humains. Nécessairement, quand on passe un peu de temps, il y a de l'empathie qui rentre en ligne de mire. Et donc, ces hommes, bien qu'ils étaient violents ou qu'ils avaient commis des actes de violence,
C'est aussi des êtres humains avec lesquels j'ai pris plaisir à discuter, parfois à rire. Et je pense que ce lâcher prise, en effet, peut-être ils se le sont permis parce que j'étais un homme. Après, j'ai eu la chance notamment d'être en reportage aussi en immersion chez RADA, à la Maison des Femmes de Saint-Denis, où j'ai eu la chance aussi d'assister à des groupes de parole avec des femmes, des groupes de parole de femmes victimes de violences conjugales. Et j'ai eu l'impression malgré tout d'être accueilli dans ce cercle, non pas uniquement parce que j'étais un homme, mais parce que j'acceptais d'écouter cette parole. Je pense qu'une journaliste femme qui passe un peu de temps sur le terrain et qui accepte d'être là pour entendre une parole, pour observer, pour essayer de comprendre quelque chose que peut-être elle, comme moi, quelque chose, un sujet que j'ai pas, que je maîtrise pas, bah, en face, c'est compris et c'est accepté. Moi, je compléterais parce que moi aussi, j'interviens auprès des hommes violents. Et ça pose pas de problème en fait que je sois une femme. Par contre, ce que je trouve super intéressant, c'est que ce soit Mathieu, un homme journaliste, qui se soit emparé du sujet, parce que là, pour le coup, je pense que les hommes sont plus enclins à lire ce qu'il a écrit et peut-être à accepter cette remise en question qu'il leur propose. Et pour tout te dire, c'est mon mari qui m'avait signalé ton podcast. Ah, tu ouais. vois c'est, ça se trouve assez intéressant. Ouais, il dit, tiens, t'as écouté ça, c'est pas mal. Une question assez concrète pour conclure notre échange. Rada Hatem, tout d'abord, comment repérer les signes de violence en fait, sur une femme de notre entourage, par exemple, et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement si on observe ça? Alors, les femmes sont de très très bonnes menteuses, c'est-à-dire qu'elles arrivent à maquiller les faits, tout comme elles arrivent à maquiller leur bleu, à porter des manches longues pour cacher des traces, à porter des lunettes de soleil en plein hiver. Après, ce qu'on peut percevoir chez elle, c'est une insécurité permanente. C'est-à-dire que vous êtes avec votre copine et puis elle est assez agitée, elle reçoit un SMS toutes les deux secondes, elle regarde sa montre sans arrêt, vous la sentez absolument pas sereine. Et là, la première question qu'il faut se poser, c'est il y a probablement quelqu'un derrière qui exerce un contrôle à distance et ça ne va pas. Il y a d'autres symptômes, quelqu'un qui arrive en retard au boulot régulièrement et quelqu'un qui est très très pressé de partir du travail parce qu'aucune minute de retard ne lui est autorisée, quelqu'un qui s'isole, quelqu'un qui change de comportement, une copine que vous avez connue très gaie et puis depuis qu'elle sort avec Mathieu, elle vient plus aux soirées, elle se maquille plus, elle s'habille plus comme avant. Tous ces symptômes, tous ces changements de comportement, c'est un peu comme avec les enfants, quand les enfants ont des résultats scolaires qui changent, quand ils s'enfoncent un peu dans le silence. Il faut questionner qu'est-ce qui se passe à la maison. Et donc, en tant que copine, vous ne pouvez pas, même si vous avez vu des choses, dire « Non mais arrête de sortir avec ce connard, c'est très contre-productif. » Mais dire « Je suis là, je vois que tu es en difficulté, je me fais du souci pour toi, je m'inquiète pour toi, ça marche pas mal. » Et de montrer que tu peux m'appeler. Il va falloir que Mathieu... Ah, oh, Mathieu. Bah, merci beaucoup. Si, mais il faut qu'ils disent qu'est-ce que tu dirais à un homme violent, toi ? Oui, que faire, faire quand on a un homme violent dans notre entourage ? Bah, disons que si c'était un ami, par exemple, et que je repérais des signes, justement, de contrôle ou de dénigrement de sa copine, je pense qu'il faut en parler frontalement. Il faut confronter ses potes et être capable de leur dire « Écoute, moi, je comprends pas comment tu peux parler comme ça à ta femme ou à ta conjointe. » Et tu peux pas l'insulter, particulièrement en public, parce qu'il y a beaucoup cette idée de paraître aussi aux yeux des autres hommes comme non pas un soumis mais quelqu'un qui tient sa femme. Et ça c'est un schéma de virilité très classique, mais qui doit changer. En fait, on peut pas continuer à répéter sans cesse ces mêmes schémas débiles, quoi, qui en plus crée de la souffrance des deux côtés. Ces mecs qui se comportent comme ça, c'est pas rarement des mecs heureux en plus. Donc je pense qu'il faut oser justement pas laisser passer ce genre de choses et le mettre frontalement sur la table en disant pourquoi tu fais ça.
Merci. Oui, merci. Du coup, je me dépêche, je monte. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. est-ce que vous voulez terminer votre réponse par rapport à que faire Est-ce que vous aviez quelque chose d'autre à ajouter par rapport à... Non, je pense que la disponibilité... Mm. Et puis en miroir de ce que dit Mathieu, quand on est dans des dîners où justement on voit bien que dans le couple c'est violent, c'est irrespectueux, c'est humiliant, souvent c'est sous couvert de blagues, c'est mais non je suis pas méchant, je plaisante, alors que tout le monde est hyper mal à l'aise, on a très longtemps, on n'a rien dit. C'est notre ami, on l'aime bien, on ne se voit pas trop mettre les pieds dans le plat, mais Mathieu a raison, je pense qu'il faut confronter. Et si on se lève et qu'on s'en va en disant « moi je ne supporte pas des dîners où on se parle comme ça », déjà ça peut amener l'autre à réfléchir. J'ai personnellement une question, en fait, quelque chose sur lequel j'avais envie de rebondir en allant à la conférence. Donc vous avez dit que vous faisiez des interventions dans les écoles avec les enfants. Je me demandais, est-ce que vous trouvez quand même qu'il y a des choses qui bougent avec les années, au fil du temps où vous allez dans les écoles, les collèges et lycées, où vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe ou pas, je ne sais pas. Ça dépend des lieux, en fait. Dans des départements très ghettoisés, communautarisé, ça ne bouge pas vraiment. Dans des lieux où il y a plus de mixité sociale, oui, les questions des jeunes se font de plus en plus ouvertes. On voit qu'ils réfléchissent à ces sujets. Et même parfois, ça les met un peu en difficulté. Moi, j'ai des garçons qui me disent « Oui, mais alors moi, je ne sais plus du tout comment me tenir avec une fille quand je suis devant un ascenseur. » Et qu'une fille arrive, en fait je prends l'escalier, j'ai tellement peur de me retrouver avec elle dans l'ascenseur et qu'elle m'accuse d'avoir des comportements que je préfère ne pas prendre le risque. Et donc on voit que ça circule beaucoup dans leur tête et qu'ils n'ont pas encore trouvé la juste posture. Elle est un peu compliquée pour eux. Enfin, je rebondis un petit peu justement sur ce que vous dites par rapport au comportement, etc. C'est vrai que moi, il y a des fois où, par exemple, je marche dans la rue et devant, il y a une fille, une femme devant moi. Et je me mets en mode, j'espère qu'elle ne pense pas que je la suis ou quelque chose comme ça. Il y a des comportements qui... Il y a des choses qui viennent me traverser l'esprit en mode, j'espère qu'on ne me prend pas pour ceci ou cela. Et du coup, des fois, je fais exprès genre de m'éloigner plus ou alors de changer de trottoir pour essayer de... Ouais, de pas mettre mal à l'aise, de pas méprendre. Après, peut-être que aussi je me dis, c'est peut-être juste dans ma tête, ça se trouve, elle a même pas remarqué que j'étais derrière, etc. Mais ouais, c'est vrai, il y a des comportements, on fait plus attention des fois à ce qu'on fait comme comportement, ce qu'on a comme comportement, etc. C'est très juste ce que vous dites. Et probablement, il y a 10 ans, 15 ans, vous vous seriez pas posé cette question, vous auriez marché sûr de vous, derrière une femme, même si vous n'aviez aucune mauvaise intention. Et c'est très important parce que, comme le disait aussi Mathieu, par moments, il a pu avoir des comportements de pouvoir et de coercition sur des femmes sans même s'en apercevoir. En tout cas, dites-vous toujours qu'une femme dans la rue, surtout s'il fait nuit et qu'elle entend des pas derrière elle, elle va systématiquement penser que, attention, il y a peut-être un danger. On est conditionné depuis des centaines d'années à se dire où il y a peut-être un prédateur dans le coin. Et c'est sympa de votre part de mettre un peu de distance. Je vous remercie en tout cas de nous avoir donné de votre temps pour répondre à nos questions. C'était L'Hypocrite en direct des Champs Libres pour le festival Nos Futurs. Nous avons reçu Mathieu Palin, qui a dû partir entre-temps, et qui est journaliste et auteur de... Nos pères, nos frères, nos amis dans la tête des hommes violents. Et Erada Atem, qui est du coup gynécologue et fondatrice de la Maison des Femmes à Saint-Denis, dans le 93. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, L'Hypocrite. Merci.